C'est quoi être un juif ? Être juif, je crois que d'abord c'est s'inscrire dans une histoire, dans une communauté qui a pris naissance au pied du mont Sinaï. Et je suppose que vous connaissez la plaisanterie des gens qui viennent que « Mais oui, on se connaît, on s'est rencontrés au pied du mont Sinaï ». Voilà, bon, c'est une plaisanterie, mais je crois qu'elle a un fond de vérité, et c'est pour ça qu'on arrive à se reconnaître. C'est pour ça, je pense, qu'on s'identifie, même si on ne se connaît pas. Je crois qu'être juif, c'est la capacité de créer de l'espoir, toujours, et de résister, et d'être debout, et d'être en mouvement, et de franchir des frontières. Parce que pour moi, la notion de juif, elle est toujours proche d'une notion de frontière. Pourquoi ? Parce que en fait, un juif, il a toujours une partie de lui qui est complètement fragile, qui appartient à un autre temps, qui appartient à un autre lieu. On est né ailleurs, nos grands-parents sont nés ailleurs, ils ont souffert, on porte chacun une partie de cette histoire qui nous fragilise, et nous avons à l'intérieur de nous-mêmes une part de frontière. Et Israël, ce tout petit pays qui n'a que des frontières. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il est juif, parce qu'il est entouré de frontières. Et je dirais qu'enfin, pour moi, être juif, c'est effectivement, on se rapproche toujours d'Israël, et c'est porter le rêve d'Israël. Et le rêve d'Israël, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas exactement, mais c'est un rêve qui nous permet d'avancer. C'est le rêve qui fait que les yeux des juifs, ils brillent toujours plus. Bon, ça, peut-être c'est pas politiquement correct, mais il brille un peu plus que ceux des autres. Merci beaucoup.